Les vrais bonhommes, ils négocient pas. C'est les victimes qui négocient. Oui, non, mais peut-être que non, mais j'ai la flemme. Non. Ah non, les vrais bonhommes, moi, je négocie pas, en fait. S'il y a un truc à faire, on fait. Quoi qu'il en coûte, s'il faut le faire, faut le faire. C'est tout. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésitez pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici c'est Jonathan Chill, l'idée de cette chaîne c'est pour te permettre d'être libre géographiquement, d'être déterminé et pouvoir voyager où tu veux, comme tu veux. Moi en ce moment je suis en Colombie et ça fait bien plaisir. Ok, et pourtant j'ai grandi à Évry dans 91, j'ai redoublé mon BEP et pourtant j'ai créé mon premier business en ligne. C'est en 2016, ok, sur le saxophone. Et voilà, depuis je vis que de ça. Ok, donc les gars, si vous voulez le faire, vous pouvez aussi le faire. Arrêtez de chercher des excuses. T'as tout en description pour pouvoir aller plus loin. Le mensonge du développement personnel. Petit titre à guicheur, hein, tu connais, hein, on s'adapte aussi, hein, les gars. T'es obligé de t'adapter, hein. Ok, alors loi d'attraction, pensée positive, etc. Et toute la famille et tous ses cousins et ses cousines. Tout ça, c'est bien, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Mais ça ne fonctionnera pas si jamais tu ne fais pas ce que je vais te partager dans cette vidéo, dans un instant. Alors, si jamais tu me suis sur Instagram, tu as dû voir mon fameux petit déjeuner que je prends tous les jours, c'est toujours le même. Les gens, ils pètent les poings, ils disent, mais tu n'as pas besoin de manger la même chose? Non, t'inquiète pas, non. Et si jamais tu me suis sur Instagram, tu vois à peu près toutes les séances de sport que je fais régulièrement. Tu vois aussi le nombre de vidéos que je publie, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube. Je joue aussi du saxophone et j'essaie d'exceller dans tous les domaines que je viens de citer. Et concrètement, tous les résultats que j'ai eus dans ma vie, même que ce soit au niveau du physique, que ce soit au niveau de la musique, que ce soit au niveau du business, c'est toujours la même chose, le même secret que je vais te partager là maintenant, c'est la discipline. En vérité, si tu retiens qu'une seule chose, la discipline, et que tu l'appliques dans n'importe quel domaine, tu es obligé de réussir en fait. Tu auras beau lire 50 livres de développement personnel, parce que des fois, c'est la course à celui qui a lu le plus de livres. Concrètement, avec 2 livres, 3 livres, tu peux largement t'enrichir, largement progresser. Après, c'est bien de faire des rappels pour le mindset, pour ne pas oublier. Mais en termes d'inspiration, en 2-3 livres, c'est bon, hein. Pas besoin de lire 50 000. Après, c'est bien que ça te permet de garder, d'apprendre de nouvelles choses. Mais pour te dire que la vérité, c'est le passage à l'action et la discipline. Surtout la discipline. Il n'y a que la discipline qui donnera les résultats. Tu peux faire tous les chemins que tu veux, aller à droite, à gauche, parler de développement personnel, parler de ta grand-mère, de tout ce que tu veux. Ça va finir pour pouvoir créer ton business en ligne, pour pouvoir faire tout ce que tu veux, ça va finir par discipline. Tu veux perdre du poids, discipline. Tu veux être bon musicien, discipline. Tu veux avoir une bonne relation, discipline. Tu veux gagner plus d'argent, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, discipline. Tu veux gérer mieux ton argent, discipline. Tout ce que tu vas faire, ça va demander une discipline. Et les gens, en fait, ça les saoule d'être disciplinés. Donc du coup, comme ça les saoule d'être disciplinés, ils ne sont pas disciplinés, ils n'ont pas de résultats. Et après, ils se plaignent, ils disent que c'est la faute du gouvernement, que c'est la faute de leur mère, que c'est la faute du formateur, du coach, etc. Et un truc qui m'a toujours marqué, c'est Arnold, quand je lisais sa biographie, il disait qu'il n'avait jamais été dans un séminaire de développement personnel. Mais par contre, il était super discipliné. Et du coup, il a explosé tous ses objectifs. Parce que quand il avait un truc, boum, il se disciplinait, boum, et allez. Il a appris l'anglais comme ça, à côté, il faisait des cours, il travaillait à côté pour pouvoir faire de l'argent, plus il s'entraînait pour pouvoir être Mister Olympia. Donc voilà, il n'y a pas de secret. Donc le secret de la réussite, hein, c'est la discipline. Personne n'en parle parce que ce n'est pas sexy. Moi, je te dis la vérité. En fait, je fais des vidéos pour que vous ayez la vérité, les gars, et que vous puissiez aller le plus rapidement possible. Comme ça évite de perdre du temps. Parce que moi, c'est des choses que... Tous les trucs que je vous partage, j'ai pris des années. Ça sont des années, en fait, que je les ai appris. J'aurais bien aimé comme dans Matrix, là, on t'injecte tout. Ah, j'aurais trop kiffé. Avoir toutes les informations d'un coup, là. Boum, comme ça, mais... J'aurais toutes les informations que j'ai maintenant, il y a 4 ans. Mais je ne serais pas du tout au même endroit, là. Tu vois? Mais bon, après, c'est comme ça, c'est le game. Donc, arrête de chercher ailleurs, il faut avoir la discipline. Donc, maintenant, comment on fait pour avoir de la discipline? Je vais te dire exactement comment moi, du coup, je fais pour être discipliné. Peut-être que d'autres personnes font autrement. Moi, je vais t'expliquer comment moi, je fais pour être discipliné. Première chose, c'est que je fixe un objectif. Un objectif que je kiffe et un objectif que j'ai vraiment envie d'atteindre. En fait, quelles que soient les raisons pour lesquelles tu as envie d'atteindre cet objectif, il faut que tu aies envie d'atteindre. Moi, je sais qu'il y avait des objectifs avant. Quand j'ai fait le foot, je voulais être le meilleur parce que je voulais être le boss et c'est tout, tu vois. Je voulais être respecté, voilà. En fait, quelle que soit la raison, il n'y a pas une raison bonne ou mauvaise.
Tu vois, l'essentiel, c'est que ça soit une raison forte qui te donne envie d'atteindre cet objectif. Deuxième chose que je fais, c'est que du coup, je sais exactement quelles sont les actions que je dois mettre en place. Par exemple, on va prendre un de mes objectifs perso qui est de faire d'atteindre les 100K d'abonnés. Et bah, du coup, je me suis dit, mec, il faut repasser à une vidéo par jour. Tu vois, parce que j'avais ralenti, je crois que j'étais repassé à 3 par semaine. Après, j'étais passé à 5. Et du coup, quand j'ai refait mes objectifs, j'ai dit, on va atteindre les 100K. Déjà, première chose, il va falloir faire une vidéo par jour. Donc du coup, boum, je fais ça. Et après, comment je fais pour être discipliné et suivre cette routine? C'est tout simplement, je ne négocie pas. Ça veut dire, je ne négocie pas. Quand mon cerveau commence à faire le fou, je commence à allumer la caméra, enfin, je commence à mettre la caméra en place et je commence à me dire, ouais, mais bon, c'est relou, peut-être faire demain, on va essayer de faire plus demain comme ça. Non, j'ai dit, j'essaie de faire à peu près 2 vidéos par jour. Dès que je vois que je commence à avoir des bullshit, j'allume le micro, boum, boum, j'envoie, je démarre direct. Comme ça, il n'y a pas de négociation. Moi, je suis parti des 3% de la population, des gens qui sont déterminés, qui réussissent, des vrais bonhommes, quoi, tu vois. On négocie pas. Les vrais bonhommes, ils négocient pas. C'est les victimes qui négocient. Oui, non, mais peut-être que non, mais j'ai la flemme. Non, alors, les vrais bonhommes, moi, je négocie pas, en fait. S'il y a un truc à faire, on fait. Quoi qu'il en coûte, s'il faut le faire, faut le faire. C'est tout. Et troisième chose, c'est que j'aime être le meilleur dans ce que je fais. J'aime être bon. D'accord, ça s'est un petit peu calmé, mais j'aime quand même être bon quand même. J'aime être le meilleur. Avant, c'était encore plus prononcé dans tout ce que je faisais. Mais là, ça reste toujours quand même, je veux être le meilleur en fait. J'aime être le meilleur, faire partie des meilleurs en tout cas. Tu vois, j'aime être le meilleur dans ce que je fais. Si je me lance sur YouTube, c'est pas pour être le dernier. Et donc du coup, ça me tient déterminé pour pouvoir suivre une discipline. Tu vois. Voilà. Le game, c'est au premier qui lâche, au premier qui s'essouffle. C'est ça le game, hein. Comme ça, tu vois des gens, ils viennent sur YouTube, ils disparaissent, ils repartent, machin. Ils n'ont pas de mental, les gars. C'est ça, à un moment donné, c'est où t'es un bonhomme ou t'es pas. Hein, y a eux et y a nous, hein. N'oublie jamais ça. À un moment donné, toi, je te vois, toi, là, ouais. Ouais, je te vois, là. Tu m'as l'air perdu. Tu sais pas vraiment où tu es. C'est, choisis ton camp, mon gars. Faut que tu choisisses, hein. Après, est-ce que des fois, je faiblis? Bah oui, ça peut arriver, tu vois. Par exemple, hier, je sais que je devais tourner 2 vidéos, je l'ai pas fait, tu vois. L'essentiel, c'est que il faut pas que ça devienne une habitude. Il faut que ça devienne un accident. Tu vois, ça peut arriver une fois comme ça, boum, ok. Mais moi, je suis en mode mindset de sportif. C'est le mindset que tu dois avoir, en fait. C'est un mindset que tu dois avoir pour atteindre tous tes objectifs, en fait. Tu dois être un gars déterminé, tu vois. C'est pour ça que je dis à chaque fois déterminé. On lâche rien, en fait. Tu vois. On laisse les autres lâcher, mais nous, on lâche pas. Et si tu suis cette chaîne, c'est que tu es déterminé. Nous, on lâche rien. Jusqu'à temps de t'arriver, on lâche rien. Même si on doit attendre 10 ans, je lâche rien. C'est ça le mindset. Et quand tu sais que tu peux attendre 10 ans, ben, ça arrive largement avant. Alors qu'il y en a, tu sais, je prends toujours cet exemple du gars qui m'avait envoyé un DM. Oui, j'ai 2 mois vacants, est-ce qu'on peut faire du business? Come on. Donc, c'est pas compliqué. Et après, ta discipline, plus elle sera élevée, bah, plus tu vas fracasser les gens. Moi, je fais une vidéo par jour. Bah, à un moment donné, si toi, tu fais une vidéo par semaine et que tu es mon concurrent, à un moment donné, il y a de grandes chances que je te plie. À moins que tu arrives à faire à chaque fois une vidéo par semaine, une vidéo super buzz, qui arrive à buzzer, qui amène énormément de trafic. Mais d'une manière générale, si je fais 50 000 vidéos, à la fin de l'année, tu en as fait, tu en fais une par mois, comme ça le chiffre est plus simple à calculer. Ça veut dire que tu as fait 12 vidéos, imagine le nombre de vidéos que j'ai fait, j'en ai fait 360. Tu en as fait 12, j'en ai fait 360. Pareil, si jamais tu veux être le meilleur joueur du basket de tous les temps, eh ben, c'est simple, les gars. De toute façon, les sportifs, ça se voit encore plus facilement, tu vois. Mais on croit que c'est lié que aux sportifs, mais en fait, c'est lié à tout ce que tu fais dans ta life, et surtout pour le business aussi. Tu fais des choses, tu vas augmenter ta discipline à un niveau où les gens ne vont jamais pouvoir suivre, en fait. Okay, donc Kobe Bryant, Michael Jordan, ils se levaient plus tôt et ils s'entraînaient. Ils faisaient 2 entraînements en plus que les autres, en fait. Donc ils se levaient plus tôt, ils shootaient. Et à un moment donné, mathématiquement, avec l'effet cumulé, semaine, mois après mois, ils étaient meilleurs. C'est logique. Ils ont une discipline plus élevée. Donc ils lâchent pas, boum, boum, boum. Ils auraient fait ça peut-être un mois, ça aurait rien changé par rapport à leurs concurrents. Mais le fait qu'ils fassent ça un mois, 2 mois, d'année, et puis ce sont des années, c'est fini. T'imagines, là, moi, par exemple, je fais une vidéo par jour, je lâche pas là pendant 10 ans. À un moment donné, il n'y a pas de secret, c'est juste mathématique, c'est pour ça. De toute façon, je t'explique tout ça dans la formation plus en détail. Hein. La formation Influenceur 2.0, tu as le masterclass, je te montre exactement comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine. Je te montre exactement comment être un Influenceur 2.0, faire générer du cash sans avoir beaucoup d'abonnés. Ok. Il n'y a pas besoin d'avoir 1 million d'abonnés pour pouvoir commencer à faire de l'argent. Je te montre exactement tout ça, c'est offert, tu as juste à cliquer et tu pourras y accéder. Donc, je pense que c'est tout que j'avais à dire pour cette vidéo. Donc, pour tout ce que tu as à faire,
mais une discipline. C'est le secret. Ça sert à rien de chercher un bouton magique, un raccourci pour pouvoir réussir plus vite, de l'argent tombé du ciel. Hein. Dans tout ce que tu feras, ça va demander de la discipline, quel que soit. Okay, quel que soit. Mets-moi en commentaire exactement dans quelle discipline tu voudrais te lancer. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Est-ce que tu veux créer ton business en ligne? Est-ce que tu voudrais être chanteur? Est-ce que tu voudrais... Bon, je pense qu'en général, si tu es là, c'est que tu veux créer ton business. Mais dis-moi quand même, je suis curieux de voir un petit peu quels sont les objectifs des personnes qui me suivent. Okay? Et n'aie pas peur qu'on voit tes objectifs. Au contraire, si on les voit, au moins, ça va t'engager à passer à l'action et au moins à prendre la formation qui est offerte, qui est là. Pourquoi tu bégayes? Pourquoi tu as peur? Si tu es ici, tu regardes ce genre de vidéo, c'est que tu cherches la connaissance pour pouvoir passer à l'action et pour pouvoir avoir des résultats. Donc là, tu l'as. Donc, qu'est-ce que tu fais? C'est ou tu passes par l'action et, comme j'aime bien dire, si tu fais rien, il ne va rien se passer. Ou tu passes à l'action et tu avances. Ok, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et surtout que le chemin, il est long. Donc, plus vite tu t'embrayes, plus vite tu auras des résultats. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Et surtout, n'oublie pas de me mettre un j'aime, d'accord, à cette vidéo. Et un j'aime pas parce que toi, tu veux que tu crois que ça va tomber du ciel, quoi.